Il y avait salle comble samedi midi sous le chapiteau de la brasserie chez Jus à Carcassonne. François Mourad, conseiller départemental sur le canton 1, a été désigné délégué municipal du parti d'Édouard Philippe Horizon le 9 octobre dernier. Il présentait les 13 membres du bureau carcassonnais. Avec 200 adhésions, François Mourad se dit satisfait. Alors une belle réussite à double titre, parce que tout d'abord, nous avons fait ça le comble. Alors un jour de marché à Carcassonne, avec la pluie qui ne nous a pas épargné, moi je suis un patron agréablement surpris. Alors moi je suis agréablement surpris, mais je m'en doutais aussi un petit peu, puisque quelques indiscrétions me laissaient à penser que nous avions un comité qui était l'un des plus dynamiques de France. Nous en avons eu la démonstration aujourd'hui, avec dans les prochaines semaines 200 adhérents à jour de leur cotisation, ce qui est important. Patron heureux aussi, puisque j'ai dévoilé le bureau d'Horizon et qu'on y retrouve toutes les tendances. Nous avons des personnes qui ont été ou qui sont actuellement militants de l'UDI, des Républicains, du Modem, de La République En Marche. C'est ce que m'a demandé Édouard Philippe lorsqu'il est venu, que j'avais avec lui, je l'avais accueilli avec Gérard Larrain à cette époque-là. Nous avions fait un tour de la magie de Noël. Il m'avait dit qu'il faut dépasser les clivages et il faut être dans l'unité. Aujourd'hui, on a fait une démonstration qu'effectivement nous sommes rassembleurs et que nous sommes un parti qui est capable de fédérer toutes les bonnes volontés, les sympathisants du centre et de la droite, à Carcassonne. Et parmi les membres du bureau, l'ancien préfet de l'Aude, Dominique Bellion, qui connaît bien Édouard Philippe pour l'avoir reçu en stage en préfecture en 1995. Le mouvement qu'a créé Édouard m'a attiré. Il y a une recomposition politique en France, et ben j'ai fait ma recomposition politique personnelle et j'ai rejoint un homme qui est un homme, non seulement un homme d'État, mais qui est un homme profondément humain, profondément loyal, direct, franc, et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint Horizon. Horizon a désormais les prochaines élections en ligne de mire pour acquérir en crédibilité, à commencer par les législatives de juin prochain. Je le dis sans équivoque, nous serons présents lors des législatives sur les 3 circonscriptions de l'Aude. Nous serons présents également lors des prochaines élections municipales, les prochaines élections départementales, régionales, et nous donnerons notre avis aussi dans le cadre des élections sénatoriales. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas attendu les directives parisiennes, et ça a d'ailleurs été très apprécié en haut lieu, pour commencer à travailler avec toutes celles et ceux qui le voulaient, à présenter 3 candidats démocrates dans les 3 circonscriptions de l'Aude pour les prochaines élections de juin. Et François Mourad ne s'en cache pas, il sera candidat aux législatives sur la première circonscription face à la députée En Marche sortante, Danielle Hérin.